Coluche ont reçu le chapiteau et ses spectacles cette année. 9 ou 14 ? Envoyez 9 ou 14 au 3058. 148 francs TTC le message. Jeux sans obligation d'achat, règlement disponible sur demande à la première. La première en Nouvelle-Calédonie, on gagne à l'écouter. Il est où le bonheur ? Il est où ? Mais il est où ? Sur la première, bien sûr. Du lundi au vendredi, découvrez la société calédonienne au travers d'histoires d'hommes et de femmes, d'initiatives inspirantes, au parcours singulier. Anne-Claire Lévesque et ses invités nous invitent chaque matin à nourrir la réflexion sur l'évolution de la société calédonienne. Il est où le bonheur ? De 8h à 9h, sur la première. La première. Le 6-8. Le 6-8, il est 6h. Bonjour à toutes, merci à toutes et à tous, bien sûr, merci d'être avec nous sur la première et sur nos trois médias, en télévision, sur le web et à la radio, 6h du matin sur la première. C'est l'heure de l'actualité, nous retrouvons Charlotte Mestre. Bonjour Charlotte. Bonjour Bruno, bonjour à tous. À lendemain de journée exceptionnelle, dispositif exceptionnel, depuis quelques instants, nous sommes en direct sur nos trois médias, télé, radio et internet. Dans un instant, un premier journal avec les analyses des premiers chiffres, 56,4% pour le non, 43,6% pour le oui et cette très forte participation, plus de 80%. Nous serons aussi dans les communes pour entendre vos réactions à travers le caillou. Angélique Souche recevra également dans ce journal un membre du comité des sages. Alors cette première heure commune, TV, radio et web se poursuivra avec les premières analyses de nos experts, Charlotte. Oui, en plateau, Patrice Jean et Pierre-Christophe Pons, vous pourrez intervenir tout au long de cette heure au 258-258. Dites-nous votre sentiment, vos impressions au lendemain de ce vote historique. Un nouveau journal à 6h30, puis deux invités politiques locaux. Oui, à partir de 6h40, Jean-Raymond Postic pour l'Union Calédonienne, Philippe Michel pour Calédonie Ensemble, réagiront à ces résultats validés par le Haut-Commissariat cette nuit, mais pas encore officiels, ils le seront tout à l'heure à 7h30. Nous serons aussi en duplex dans cette première heure avec Alain Christnart depuis Paris. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. En ce jour, le seul vaincu est la tentation du mépris, de la division, de la violence, de la peur. Le seul vainqueur. C'est le processus en faveur de la paix qui porte la Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans. L'esprit de dialogue que plus rien n'entamera. Un dialogue perpétuel à poursuivre. L'appel du président de la République hier soir lors de cette allocution télévisée. Il était 23h en Nouvelle-Calédonie, 13h à Paris. Une allocution où il a également commenté les résultats. Des résultats qui donnent le non à l'indépendance en tête avec 56,4% des voix. Et un chiffre à retenir, Angélique Souche, celui de la très forte participation. En effet Charlotte, c'est le premier enseignement de ce scrutin. Une forte participation, on pourrait même dire ce matin, une participation exemplaire, 80,6%, soit 199 électeurs qui ont accepté ce rendez-vous avec l'histoire ce dimanche 4 novembre et qui se sont déplacés jusqu'aux urnes. Alors la plus forte participation est observée en province nord, 86% des électeurs inscrits ont effectivement voté, avec des records sur des communes historiques et symboliques, Canala, Yengen, 87% de participation sur ces deux communes. La commune, bien sûr, de Jean-Marie Djibaou et celle d'Éloi Machoro. Et sur ces communes-là, évidemment, le oui sort largement en tête, 94%. Donc des scrutins historiques. Forte participation aussi en province sud, 83%. Et traditionnellement, on a un petit peu moins voté que la moyenne sur les îles, avec 58,9% de participation. Les îles, on le verra tout à l'heure avec nos experts, notamment Pierre-Christophe Pons, qui est avec nous. Bonjour. J'en profite pour vous saluer, géographe. Et puis Patrice Jean, on le verra peut-être, l'explication est à trouver, notamment sur le mot d'ordre, on le rappelle, du Parti travailliste pour l'abstention. Et puis sur l'indécision qui, on le sait, a également marqué cette campagne et qui a pu toucher nos électeurs des îles. Nous accueillons en direct même Madame Anne-Marie Mestre. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre du comité des sages avec nous ce matin pour commenter justement ce résultat, cette ambiance. Le comité a été très attentif à la campagne. Votre sentiment au lendemain du référendum et que le résultat est maintenant connu.
Je crois que le premier sentiment, c'est que personne ne pourra remettre en cause la légitimité des résultats. Et ça, ça paraît un élément à mes yeux essentiel. Alors, légitimité des résultats, vous étiez aussi très attentif à la tenue et teneur de cette campagne. Est-ce que la journée a été à l'image pour vous de cette campagne que vous aviez qualifiée de sereine? Jusqu'à la clôture du scrutin, il n'y a pas eu de problème. Est-ce que les animations de quartier d'hier soir ont un fondement politique ou un fondement de délinquance primaire? Je serais assez tenté de répondre à la deuxième option. Mais peut-être que le résultat a pu acutiser des passages à l'acte transgressifs qui d'habitude se nourrissent simplement d'autre chose. Il ne m'appartient pas de disséquer les motivations, si tant est qu'il y en ait de rationnel. Alors on fera le point un petit peu plus tard dans le journal et en effet aux incidents qu'on a pu observer ça et là, et notamment au centre-ville hier soir. Deuxième enseignement pour finir, Charlotte, sur ces résultats à chaud. C'est bien sûr l'écart qui reste modéré, très modéré par rapport notamment aux différents sondages qui ont pu être donnés tout au long de cette campagne. Un résultat, vous l'avez dit Anne-Marie Mestre, qui est incontestable, mais pas de vie. Victoire finalement, on pourrait dire ce matin, pas de vaincu, puisque chacun est resté dans son électorat. On ne peut pas dire ce matin finalement que les non-indépendantistes ont pu convaincre aujourd'hui l'électorat indépendantiste. Et c'est peut-être en raison de ce résultat tempéré qui, hier soir, à l'annonce de ces résultats, peu, voire pas de partisans du non, étaient dans les rues de Nouméa. Jeannette Petchaïssi est partie à la rencontre des Calédoniens après l'annonce de ces résultats. Pour connaître les réactions, elle a rencontré uniquement des électeurs indépendantistes. Écoutez. Dès 22h hier soir, la tendance penchait déjà pour le non. Et pourtant, à Nouméa, depuis l'Ansvata jusqu'au centre-ville, les rues étaient quasiment désertes. Pas de drapeau en évidence, peu de coups de klaxon. Et parmi les premières réactions recueillies, des partisans du oui qui se sont prononcés en bon perdant. Bon, c'est un peu décevant pour nous. Et vu qu'on est des Kanaks, on aimerait bien que ça passe à l'indépendance. Bon, j'espère que ça sera pour une prochaine fois. On espère qu'il y aura un prochain. Parce que là, vraiment, on attend à mettre en baquet, c'est là qui parle. Elle dit comme ça que si le non l'emporte, pour la peine d'avoir un deuxième ou un troisième. Non, c'est pas une défaite. Après, on verra dans 2 ans. J'étais étonnée que le oui l'emporte à l'IFU. Moi, je croyais que c'était le non. Parce que là-bas, à l'IFU, les jeunes de l'IFU, là-bas, ils sont toujours avec la France, quoi. Très belle surprise. Le non l'emporte donc à 56,4% des suffrages, avec cependant une forte mobilisation de la part des indépendantistes. Pour ce scrutin, le taux de participation global est de 80,6%, une mobilisation pleinement saluée. C'est une belle surprise quand même, parce que on est des jeunes, puis ça se voit que ça nous tient à cœur quand même, notre pays, l'avenir de notre pays, du coup, c'est un peu pour ça aussi qu'il y a une forte mobilisation. Je les félicite parce que s'ils ont du courage pour voter, ils sont partis, ils sont déplacés, les gens qui restent sur Nouméa, pour aller sur les îles, sur le nord, pour voter. Puis... C'est vachement important. Oui, voilà. On voit qu'il y a eu beaucoup de participation, hein. Surtout pour le oui. Ouais, forte mobilisation. Ouais. Non, surpris, parce que quand il s'agit des législatives ou ce qui est communal, il n'y a pas trop de... Mais là, pour le référendum, ouais, ça... C'est bien. Le oui totalise 43,6% des suffrages. Les indépendantistes comptent sur le deuxième référendum pour renverser la tendance. Le oui à l'indépendance l'emporte, lui, à l'île des Pins avec 933 voix, loin devant le non qui ne recueille que 32,7% des voix. Cougnet note également une très large participation à Nouméa, au bureau de vote décentralisé et sur l'île. Clarisse Watoué. Coup de klaxon après la proclamation des résultats, le oui à l'indépendance l'emporte à l'île des Pins avec 67,32% des voix. Une mobilisation massive que salue John Vaquier et qui, selon le militant indépendantiste, est le fruit du travail mené sur le terrain. Ça a été un vote par rapport à l'enjeu. On a vu beaucoup de jeunes venir s'exprimer, certains d'entre eux n'ayant jamais voté. Au regard aussi de la campagne qui a mobilisé une partie du comité nationaliste et citoyen, on est très, très satisfait du résultat localement. Les loyalistes saluent également la participation des jeunes à ce scrutin. Ils espèrent que ces résultats ne créent pas de division entre les personnes Thérèse Noukouan et le loyaliste. J'espère qu'avec le oui qui ont remporté, nous sommes toujours ensemble. Il n'y aura pas de discorde et tout.
Nous vivons ensemble, partageons ensemble, mais il ne faut pas oublier que chacun travaille à sa sueur pour son enfant, pour sa famille. Pas loin de la mairie, dans un snack installé sous des pieds de manguier, Marie-Simone et d'autres membres de sa famille suivent la soirée électorale en live. Pour la mère de famille, la mobilisation des jeunes montre une volonté de changement de leur part. Peut-être qu'ils sont fatigués des promesses. Peut-être qu'on est arrivé à un moment où les jeunes ils se sont dit qu'ils ont beaucoup de capacités pour construire l'île, quoi. Qu'il y ait plus de flexibilité dans tout leur demande par rapport à des projets personnels, à du travail. Ludivine et sa grande sœur Félicité ont voté en faveur du oui. Elles donnent leur interprétation de l'indépendance. Le oui pour l'indépendance, au fait, c'est pas trop le oui pour qu'on vive tout seul entre peuple kanak. Que tous les autres peuples, toutes les autres ethnies nous apportent, nous enrichissent avec leurs idées de chez eux pour construire notre pays et continuer ensemble. Mais toujours tout en sachant que le peuple premier, c'est le kanak, quoi. 56,4% pour le non, 43,6% pour le oui. Des résultats qui sont encore officieux. Ils ne seront officiellement déclarés qu'à 7h30. Mais déjà, hier soir, alors que les résultats tombaient au compte-gouttes, ils ont déjà été largement commentés. Paul Néaoutine, président de la province Nord et maire de Poindimier, a voulu se montrer positif face à ces résultats. Moi, je salue l'esprit citoyen, le civisme de nos citoyens. Nous, on appelle à aller à la pleine souveraineté, mais le résultat global, il sera ce qui sera au niveau du pays. Mais la citoyenneté, déjà au quotidien, c'est depuis 20 ans. Donc, je veux dire, c'est ça qui est important. Il n'y a rien à craindre du lendemain. Donc, le lendemain, il sera ce qui sera en fonction du résultat global. Ici, à Poindimier, comme sur l'ensemble du pays, nous continuerons à travailler comme on a toujours travaillé, c'est-à-dire de vivre ensemble un destin commun. Côté non-indépendantiste, lors de notre soirée électorale hier soir, Sonia Bakès pour les Républicains calédoniens a, elle, reposé la question de l'utilité d'un deuxième et d'un troisième référendum. Les indépendantistes seront toujours indépendantistes le lendemain du référendum. Ils ont effectivement le droit de pouvoir exprimer cette ambition, cette idéologie. Mais quel est l'intérêt réellement d'avoir ce deuxième et ce troisième référendum dans 2 ans et dans 4 ans? Et donc on propose de les remplacer par un système de droit permanent à l'autodétermination qui permettrait, si un jour il y a une majorité pour l'indépendance, d'y avoir accès, mais en attendant de stabiliser enfin la Nouvelle-Calédonie, parce que cette journée d'aujourd'hui, ce résultat d'aujourd'hui, il est quand même la base de ce que les Calédoniens veulent et qu'ils voudront dans 2 ans et dans 4 ans. Sonia Bakès pour les Républicains calédoniens et avant elle, Paul Néaoutine pour l'UNI. Notez que dans les réactions nationales, Laurent Wauquiez, le président des Républicains, estime que les Calédoniens ont affirmé avec clarté leur appartenance à la République française. Ce scrutin a été globalement calme dans la journée, dans toute la Nouvelle-Calédonie. En revanche, la soirée qui a suivi a été maillée d'incidents sur le Grand Nouméa. La RP1 est fermée au niveau de Saint-Louis par précaution par la gendarmerie après que des pneus aient été incendiés sur la chaussée. La circulation est toujours interrompue actuellement. À Nouméa, à Montravel, 6 voitures ont été incendiées sur le parking Toyota à côté de la société Lefroy en début de soirée hier. Et en centre-ville, vers minuit, une ancienne animalerie près de la place des Cocotiers a entièrement été détruite par les flammes. Sur place, Sonia Lagarde, la maire de la commune. C'est avec une grande tristesse que je me retrouve à l'avenue Foch. Quelle heure est-il? Minuit et demi. Quand on voit ça, c'est vraiment la désolation parce que c'était une maison absolument magnifique qui restait encore dans le centre-ville. Ça m'amène quand même à réfléchir sur cette fin de référendum et j'espère qu'il n'y a aucune relation de cause à effet. Demain, on doit se mettre autour d'une table. On doit essayer de construire ensemble ce pays qui finalement on n'appelle que le vivre ensemble. Moi, ce que je souhaite, c'est l'apaisement. Que la victoire qui est celle d'aujourd'hui soit une victoire humble et modeste, parce qu'elle nous appelle justement à autre chose que de voir ça. Sonia Lagarde, maire de Nouméa, au micro hier soir de Coralie Cochin et Patrick Nicard sur la zone gendarmerie. Je vous le disais, à part Saint-Louis où la RP1 est fermée, donc sur le Mont d'Or, aucun trouble à signaler sur cette zone gendarmerie. Voilà, il est 6h14. Merci d'écouter la première, une matinée spéciale référendum sur nos 3 supports radio, TV et web. Une matinée qui continue, bien sûr. Nous vous retrouverons tout à l'heure, Charlotte, à 6h30 pour un nouveau jour.
journal consacré bien sûr à ces résultats référendums. Mais tout de suite, nous allons accueillir nos experts dans un petit instant. Patrice Jean, juriste, et Pierre-Christophe Pantz, chercheur en géopolitique. Ils seront interrogés par Angélique Souche et vous aurez la possibilité de poser vos questions, d'intervenir au 258-258. A tout de suite. Madame, Messieurs, rebonjour. Anne-Marie Mestre du Comité des Sages est restée avec nous. Alors, tous les trois, chacun dans votre rôle d'observateur, j'allais dire différent, vous avez évidemment observé cette soirée. On a parlé de cette forte mobilisation, on a parlé aussi de cet écart plus resserré que prévu. Comment vous expliquez-vous déjà ces deux tendances, ces deux lignes de force de ce résultat, de ce référendum, Patrice Jean? C'est vrai que c'est une sorte de paradoxe, hein, puisque, au fond, les indépendantistes ont quelque part fêté de manière différente le résultat, alors que c'est quand même, ça n'est pas un succès. Et on peut penser que les loyalistes, quelque part, sont quand même un petit peu déçus. Mais c'est paradoxal, parce que malgré tout, il y a le résultat des urnes. Alors, comment expliquer? Je pense que Pierre-Christophe Pantz est mieux à même que moi de faire des études plus poussées, maintenant et un peu plus tard. Je crois que les indépendantistes ont fait une campagne très mobilisatrice et parfois plus dure que ce qu'on pouvait peut-être penser, même si, en partie grâce au Comité des Sages, les choses sont restées à un bon niveau. Mais, disons, les loyalistes... On les a accusés de vouloir faire peur. Ils ont peut-être fait peur sur le plan économique, à tort ou à raison, hein, en disant qu'on ne s'en sortirait pas facilement sans la France. Et les indépendantistes ont ciblé les indécis, surtout dans leur camp, puisque les sondages ont montré que l'indécis type, c'est un Kanak, jeune, femme. Et il y en a d'autres, bien entendu. Et ils ont ciblé, en plus, avec un argument... qui peut inquiéter aussi, mais qui est un argument psychologique ou moral, voire religieux, puisque Daniel Goa disait lui-même qu'il fallait diaboliser l'adversaire. Et donc, effectivement, lorsqu'on parle d'axe du mal, ça peut impressionner. Là, c'est carrément quelque chose qui n'est pas interdit par la loi. On peut dire ça, mais c'est vrai que dans un pays qui est quand même très religieux, voilà, donc ça explique, je lisais aussi dans Le Monde un article disant qu'effectivement, il y avait eu beaucoup d'efforts faits pour convaincre dans le camp indépendantiste, et on avait dit, on regardera les listes, ceux qui ont voté. Et surtout ceux qui n'ont jamais voté, les abstentionnistes, voilà. Tout ce travail pour aller chercher, notamment de la part de l'État, ces électeurs qui n'avaient jamais franchi l'isoloir. Et notamment, il y avait le danger que les consignes du Parti travailliste, notamment, ou de Makiwea dans le collectif Gossana, soient suivies. Donc il y a un très gros effort fait pour aller chercher ces abstentionnistes, et apparemment ça a bien fonctionné. Pierre-Christophe Pantz, alors votre spécialité, c'est justement la cartographie de l'électorat. Quels sont les points qui vous marquent aujourd'hui? On a des différences flagrantes, notamment entre les îles et la Grande Terre, et puis ce vote massif en province nord, vote massif tout court et vote massif pour le oui notamment. Alors, je crois qu'il y a plusieurs éléments. Je souscris à ce que vient de dire Patrice Jean. Déjà, effectivement, quand on regarde la différence entre les résultats indépendantistes et non indépendantistes, il y a quand même un nombre de voix important, 18 000 voix. C'est quand même important. Il faut relativiser les effets d'annonce par rapport au sondage. La victoire est quand même importante. On ne peut pas imaginer qu'en cas d'un autre scrutin, deuxième, voire troisième référendum, on puisse finalement rééquilibrer les choses. 18 000 électeurs, c'est beaucoup. Donc c'est la première chose que je souhaitais dire. Et puis après, effectivement, dans le détail, dans la cartographie de la répartition des votes, effectivement, on a une répartition des votes qui est un petit peu finalement conforme à ce qu'on a pu observer depuis une trentaine d'années aux différentes élections provinciales. Une province sud très majoritairement non indépendantiste et les deux autres très majoritairement indépendantiste. Après, dans le détail, c'est vrai que, par exemple, en province des îles, il y a presque plus de 2300, par exemple, votes contre l'indépendance, alors que c'était un peu moins de 700 de 1000 aux élections provinciales. Donc, on voit que dans le détail, il y a aussi peut-être une dissociation entre les résultats
du référendum et des résultats aux élections locales où là, on vote plus pour des listes, en tout cas pour des hommes. Donc on voit qu'il y a peut-être un début d'explication et puis évidemment, ce contraste de la participation aux îles, je crois qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais il y a aussi des choses à analyser, 30 points quasiment d'écart avec... Allons-y, comment vous l'expliquez, même si c'était un phénomène, j'allais dire, récurrent, cette faible participation aux îles Loyauté. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur cette question, mais effectivement, c'est récurrent. C'est quelque chose qui, quand on regarde aux différentes élections, eh bien, il y a une participation qui est toujours moins importante aux îles. Moi, je pense qu'il y a un élément d'explication, outre ce qui a été déjà avancé, le fait qu'il y ait des indécis, plus particulièrement aux îles, l'appel du Parti travailliste à ne pas voter, qui serait peut-être un peu plus sensible en province des îles. Mais je pense que l'explication la plus rationnelle qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes inscrites sur la liste électorale aux îles que de personnes physiquement présentes. Alors, il y a eu la solution des bureaux décentralisés. Qui a très bien marché avec une très forte participation. Oui, effectivement, mais l'attente était quand même du Haut Commissariat, était plus de 13 000 électeurs pour ces bureaux. On en a eu à peu près 3 000, voilà. Donc, l'attente était quand même beaucoup plus importante. Et puis, après, il faudra regarder dans le détail aussi les procurations. Mais est-ce qu'elles ont été suffisantes pour permettre à l'électorat loyal le sien de vraiment s'exprimer pour ce scrutin. Et puis après, on peut en faire toutes les analyses qu'on veut. Un électorat plus sensible aux consignes du Parti travailliste, un électorat qui n'a pas voulu se manifester pour favoriser le non. Encore une fois, là, c'est de l'interprétation politique sur les faits uniquement. C'est vrai que cette différence qu'on observe depuis maintenant plus de 30 ans entre à la fois le corps électoral et la personne qui est la population physiquement présente, on a des questions à se poser. Est-ce qu'il ne faut pas changer aussi d'un côté la carte électorale? On peut se poser la question. Alors sur cette carte électorale, c'était flagrant hein, pour nos téléspectateurs qui étaient avec nous hier, cette carte avec d'un côté le rouge, d'un côté le non, autrement dit cette province des îles, cette province nord et puis cette province sud majoritairement pour le non. Est-ce que les uns les autres, c'est un, j'allais dire, un vieux débat qui s'était un petit peu estompé ces derniers temps. À l'issue de ce référendum, il y a une crainte ou en tout cas peut revenir cette idée de partition. C'était le mot à une certaine époque, ou en tout cas de fracture entre cette province nord et cette province des îles. Anne-Marie Mestre, évidemment, c'est à mettre en regard avec le destin commun que l'accord de Nouméa tente de construire. A priori, j'ai pas vocation à faire des commentaires politiques, donc je m'en garderai bien. Cette idée de partition, je ne suis pas certaine qu'elle corresponde à la volonté d'aucun des deux camps. Quel que soit le cas de figure. Donc, on peut faire toutes les interprétations qu'on souhaite. Je ne suis pas certaine que ce soit d'actualité. Sur l'ambiance du vote, Anne-Marie Mestre, on a entendu, là encore, sur les antennes, mais pendant le vote, après le vote, des Calédoniens à la fois très sereins et avec, là encore, cette idée de, on vient de l'entendre là, hein, dans nos éditions, cette idée de construire pour les enfants de demain, quelle que soit l'issue. On a beaucoup entendu ça et en même temps, des réactions politiques relativement mesurées. Est-ce que vous estimez que c'est de bon augure, justement, pour la suite ? Je crois que tout le monde a conscience qu'on est en Nouvelle-Calédonie et qu'on est tous ensemble en Nouvelle-Calédonie et que peu ou prou, la plupart des gens aspirent à la même chose. Avec peut-être des moyens d'y arriver un peu différents, qu'on soit indépendantiste ou loyaliste. Mais la finalité, c'est qu'on puisse vivre sur cette terre en harmonie, chacun y retrouvant ce qu'il souhaite y trouver. Donc ensuite, les moyens, c'est à discuter. Je crois que ce qui est important, c'est que la consultation est indiscutable. Le résultat est indiscutable. L'État a mis les moyens qu'il fallait pour que les choses se passent bien. Les observateurs, aussi bien de l'ONU que des pays du Forum, ont été très, très agréablement surpris par la qualité du scrutin, le jour du scrutin, par l'absence de violence, parce que beaucoup fantasmaient sur un possible retour à un passé douloureux. Donc, je crois que l'enseignement principal, c'est que les gens ont pu s'approprier le vote, ont pu voter en toute sérénité, et ce résultat est incontestable. Après, ce qui va en être fait par nos élus, par l'État, c'est un autre chapitre qu'il ne m'appartient pas
d'initier ou de commenter. Mais le résultat est là, le résultat est intangible. Il y aura toutes les analyses qui devront avoir lieu après ce scrutin. Et maintenant, je dirais, l'avenir nous appartient et c'est à nous de nous montrer dignes du résultat qui est sorti des urnes. Alors revenons sur ces deuxième et troisième référendums. On l'a entendu, il est aussi dans la tête des électeurs. Pierre-Christophe Pont, vous disiez à l'instant que pour vous, finalement, statistiquement, 18 000 voix, c'est trop et un deuxième et troisième ne changerait pas le résultat. Je pose la question au spécialiste de droit public que vous êtes, Patrice Jean. Est-ce que finalement, aujourd'hui, à la fois dans les textes et maintenant avec ce résultat des urnes, on peut éviter ces deuxième et troisième référendums? On peut, juridiquement, on peut. Ils sont prévus, si un tiers des membres du Congrès le demandent dans 6 mois, enfin au moment de, après les provinciales. Après les provinciales. Et un tiers, c'est pas très difficile à trouver, ça fait 18 sur 54. Donc juridiquement, si on ne touche pas au texte, bien sûr, il faut qu'ils aient lieu. Mais, vous savez, les juristes trouvent toujours un moyen de sortir un nouveau texte pour annuler un ancien. Donc, on pourrait effectivement faire comme certains le souhaitent, à condition qu'il y ait un accord consensuel. Paris ne va jamais modifier la loi organique, voire la Constitution, pour supprimer le deuxième ou troisième référendum si les indépendantistes ne sont pas d'accord. C'est tout à fait possible que ce deuxième et ce troisième référendum n'ait pas lieu s'il y a un accord largement consensuel. Pour le moment, c'est pas l'impression qu'on a, mais enfin, les choses peuvent évoluer. Il est bien évident que certains trouvent ça injuste qu'en cas de non-indépendance, il y a un deuxième, puis un troisième référendum, un premier rattrapage, puis un deuxième, pour vraiment... Vous êtes sûr que vous la voulez pas, l'indépendance? Alors que s'il y a indépendance, il n'y aura pas un deuxième référendum ou un troisième. Ou alors, ça serait extraordinaire que les institutions et les politiques du nouveau pays disent « Ben oui, finalement, on n'est pas très sûr, et donc finalement, on va peut-être retourner à la France, à condition qu'elle soit d'accord. Allez, on fait référendum », ça serait pas illogique, mais ça ne s'est jamais vu. Ça nous permet, Patrice Jean, de repréciser aujourd'hui, lundi 5 novembre, le non étant sorti majoritaire des urnes, l'accord de Nouméa court toujours. Ah oui, bien sûr, l'accord Nouméa court toujours, mais là, il y a eu parfois des interprétations divergentes. L'accord Nouméa n'est pas un texte parfait, il est remarquable, mais il n'est pas parfait. Dans l'accord Nouméa, il est à la fois écrit qu'il est fait pour 20 années, mais en même temps, à la fin, il est prévu qu'il y ait ce deuxième et ce troisième référendum, et dans l'accord de Nouméa, qui est plus clair que la loi organique sur ce point, c'est 2022-2024. Donc l'accord de Nouméa continue. Et puis si on en doutait, le Conseil d'État a rendu un avis, le gouvernement l'a confirmé. Ça paraît être évident. L'accord de Nouméa continue. Alors que, bien entendu, si un jour il y avait indépendance, il faudrait faire d'autres accords ou même pas d'accord du tout en cas d'indépendance. Alors vous l'avez évoqué, la prochaine échéance, ce sont les provinciales en mai 2019. Prochaine échéance politique. Pierre-Christophe Pont, en quoi le résultat pour vous de ce référendum, l'analyse un petit peu justement cartographique, géographique du scrutin nous donne des indications sur ces provinciales. On l'a vu, cette campagne a parfois ressemblé à un premier tour des provinciales. C'est vrai que la proximité entre le référendum d'une part et les élections provinciales d'autre part ont contribué finalement à ce qu'il y ait un lien entre les deux. Après, ce référendum, effectivement, a permis en tout cas aux uns et aux autres de se compter. Je crois que on a pu en tout cas avoir un aperçu du potentiel indépendantiste d'un côté et du potentiel non indépendantiste de l'autre. Et comme je disais tout à l'heure, effectivement, ça peut être c'est peut-être un espoir pour les partis non indépendantistes qui avaient énormément reculé en province nord et en province des îles. On voit qu'il y a un potentiel peut-être pour accroître leur représentativité dans les assemblées de province. Et à l'inverse, on peut imaginer aussi que la mouvance indépendantiste puisse aussi accroître son score en province sud, où ils sont assez faiblement représentés. Donc effectivement, ça nous apporte des éléments sur la cartographie à venir pour les prochaines élections
élections provinciales, mais globalement, les lignes de fracture se sont encore une fois cristallisées. On a encore les mêmes communes où on vote à peu près pour les mêmes tendances. Et je crois que ça n'a pas véritablement changé avec ce référendum-là. Ça confirme finalement les tendances qu'on observe depuis une trentaine d'années. Et ça, effectivement, ça ne va pas changer du jour au lendemain avec les prochaines élections provinciales. Anne-Marie Mestre, dernière question pour cette première partie pour vous. Le Comité des Sages avait donc une vocation sur cette campagne référendaire. On sent une possible crispation sur ces provinciales. Est-ce que vous avez vocation à garder, à rester cette vigie finalement de la morale dans cette future campagne électorale ? Il ne m'appartient pas de décider de notre avenir ou de notre Alors, absence soyons, d'avenir. Soyons plus directs, est-ce que ça vous paraît, vous, nécessaire, j'allais dire, en tant que citoyenne, et pas n'importe qui, puisque vous avez été observée pour avoir ce rôle d'observateur. Je crois que ce serait outrecuidant de dire qu'on est indispensable. Nous avons été installés par le Premier ministre, il lui appartient de décider si nous devons nous autodissoudre ou s'il décide de nous confier une nouvelle mission. C'est lui qui a la main. Eh bien, je rappelle, ça me permet, merci, de rappeler qu'Edouard Philippe a été attendu dans les toutes prochaines heures en Nouvelle-Calédonie, 9h15 très précisément pour le début de sa visite officielle. Merci d'écouter La Première, il est 6h30. Dans quelques secondes, le journal. Charlotte Mestre nous a rejoint. Vous nous regardez à la télévision, sur le web, vous nous écoutez à la radio. Merci beaucoup, une matinée spéciale autour de ce référendum. Et dans quelques minutes, après cette nouvelle édition, nous recevrons des invités politiques. Jean-Raymond Postic pour l'UNI, FLNKS nationaliste, et Philippe Michel pour Calédonie Ensemble, interrogé par Angélique Souche, bien sûr. Il est 6h30 et c'est l'heure du grand journal de la rédaction. Ah oui, on débute. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On débute cette édition avec cette citation. Le vainqueur de ce référendum, c'est l'esprit de dialogue que plus rien n'entamera. Les mots d'Emmanuel Macron hier soir en direct à la télévision. Il était 23h à Nouméa, 13h à Paris. Angélique Souche, que faut-il retenir de cette allocution ? Eh bien, première chose, la rapidité avec laquelle le président de la République a souhaité s'exprimer. Le Premier ministre, on le disait, est annoncé dans la journée, mais le chef de l'État a tenu lui-même à graver dans le marbre finalement ce moment de l'histoire, sinon la fin d'un processus des accords, en tout cas un tournant dans ces accords, c'est une évidence. Emmanuel Macron a donné le cap hier, il a posé les fondations sur lesquelles Édouard Philippe va dès aujourd'hui tenter de construire un nouveau dialogue entre les trois partenaires. Emmanuel Macron. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, au plan politique, il n'y a pas d'autre chemin que celui du dialogue. Le gouvernement proposera aux forces politiques de Nouvelle-Calédonie de se réunir dans les prochaines semaines. Des échanges seront entrepris dès demain par le Premier ministre, qui se rendra avec la ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc on annonce un prochain comité des signataires. Emmanuel Macron qui a insisté dans sa déclaration sur le fait que à l'aune des résultats, il n'y avait pas de vainqueur et donc pas de vaincu. Le président a prononcé plusieurs mots clés, soigneusement choisis, on s'en doute. Le mot « dignité », sous-entendu peut-être celle de la revendication indépendantiste. Le mot fierté, là peut-être la sienne, il l'a dit, et celle de tous ceux qui ont fait campagne pour conserver leur nationalité française. Et puis les valeurs. Et là on voit se dessiner dans les mots, dans la bouche du président de la République, une tentative de concilier les aspirations finalement des deux camps, les deux projets de société qui se sont opposés dans les urnes hier. Je veux dire que l'État est engagé aux côtés de la Nouvelle-Calédonie pour garantir dans la durée la dignité de toutes les composantes de la société autour des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Ces valeurs sont celles de la République française, comme elles sont celles de l'Océanie. Nous pouvons les partager au-delà de nos divergences, dans l'humilité et dans le respect. Voilà pour cette déclaration d'Emmanuel Macron. On l'a dit, qui sera évidemment précisée dans les actes et avec d'autres mots par le Premier ministre Édouard Philippe. Philippe Michel, secrétaire général de Calédonie Ensemble, vient de nous rejoindre. Une première réaction, on vous a entendu hier soir sur ces résultats, mais sur cette déclaration d'Emmanuel Macron. On le voit, entre cette dignité, cette fierté, on essaye aujourd'hui de concilier deux projets de société. C'est le message du président. Le président est allé à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il rappelle que d'abord on a passé
une première étape, un scrutin dans le calme, un résultat incontestable, une leçon de démocratie dont on peut être fier pour le pays. Mais pour autant, il y a une autre étape à franchir, celle de la responsabilité de la poursuite du dialogue, quel que soit le choix des Calédoniens. Et donc c'est maintenant l'étape de la reprise des discussions entre indépendantistes et non-indépendantistes qui doit s'ouvrir. Philippe Michel, on vous retrouve après cette édition. Du côté des résultats en Nouvelle-Calédonie, on l'a dit, le non l'a emporté avec 56,3%. Le oui est donc à hauteur de 43,6% et avec une très forte participation, près de 81% des Calédoniens inscrits sur la liste spéciale référendaire se sont déplacés jusqu'au bureau de vote. À Ouvéa, on a également voté massivement et en faveur du oui, plus de 84% de oui. Le scrutin s'est déroulé dans un climat serein et calme. Retour sur cette journée avec Malia Noukouan et Gaël Decheverry. Temple de Wajila, l'heure a sonné pour la population d'Ouvéa. ...4375 électeurs sont inscrits dans la commune. Un rendez-vous avec l'histoire que Nasaye Wetewea tient à honorer. C'est le moment où on a tant attendu ce dimanche-là pour le référendum. Et si je vais voter, c'est parce que j'ai envie aussi d'affirmer mon identité en tant que Kana. Bon, on va procéder donc à l'ouverture de notre bureau. Dès l'ouverture des bureaux de vote, c'est déjà l'affluence à la mairie, le bureau centralisateur. Ouvéa compte 8 bureaux de vote au total, dont celui de Weneki, au nord de l'île. C'est là que Nasaye Wetewea a exprimé son choix. Quel que soit le résultat qu'il va donner, je suis soulagée. Dans ce bureau qui regroupe les électeurs de Gossana, la moitié des inscrits ne se sont pas exprimés. En cause, l'appel à l'abstention du collectif de Gossana, appel lancé par Makiwea. Le taux d'abstention des gens qui ne participent pas à ce référendum, il faut aussi qu'ils soient tenus compte. Pour dire qu'il y a quand même des Kanaks qui n'ont pas voulu cautionner ce référendum. Nombre de suffrages exprimés, 2566, oui, 2160. Et non, 406. Des résultats salués par Robert Capoueri, médiateur du Palika à Ouvéa. Ben, très satisfait du résultat. Je pense qu'on aurait pu aller au-delà. Je pense que la communication ne s'est pas faite de la bonne façon. Le taux de participation globale est de 59,5% avec, il faut le souligner, une mobilisation massive des jeunes. Direction la province nord, sur la côte est, à Canala, là encore, le oui à l'indépendance l'a emporté largement avec 94% des voix, une participation également record, 87%. L'élection s'est déroulée dans le calme et après la proclamation des résultats et les remerciements des représentants de la commission de contrôle aux habitants pour leurs accueils, cette victoire n'a pas été fêté bruyamment en tribu. Quelques coups de klaxon au moment de quitter la mairie et ses réactions d'électeurs ou de membres de bureaux de vote recueillis par Martin Charmasson. C'est un gros jour, c'est un gros jour. C'est un gros jour pour nous. Là, c'est pour le pays. Il manque encore pour 100%. Je pense qu'il faut insister sur le terrain. Beaucoup plus rassurer les gens sur le terrain, sur le quotidien de ce qu'ils vivent tous les jours en fin de compte. Et avoir aussi des visions à moyen et long terme pour notre pays et surtout développer d'autres choses, d'autres secteurs. L'agriculture, l'élevage en font partie. C'est ce qui nous nourrit tous les jours et le tourisme aussi parce que je pense qu'on a une belle île et il y a plein de belles choses à développer autour de ça aussi. Les gens se sentent concernés, les gens se sont réveillés. À chaud comme ça, bon, je suis plutôt satisfait, c'est bien. Personne ne pourrait ne pas se sentir concerné, donc c'est bien. La démarche citoyenne déjà, la responsabilité. Des propos recueillis à Canala donc par Martin Charmasson. On l'a dit, la journée s'est déroulée dans le calme hier. En revanche, la soirée a été émaillée d'incidents sur le Grand Nouméa. La RP1 est fermée au niveau de Saint-Louis par précaution par les gendarmes après que des pneus aient été incendiés sur la chaussée dans la nuit. À Nouméa, à Montravel, en début de soirée, 6 voitures ont été incendiées sur le parking Toyota à côté de la société Lefroy. Et au centre-ville, une ancienne animalerie près de la place des Cocotiers a été entièrement détruite par les flammes. Le feu
s'est déclaré vers minuit. La vingtaine de pompiers mobilisés a permis d'éviter la propagation aux bâtiments voisins, dont un magasin de jouets et de feux d'artifice. L'incendie a été maîtrisé dans la nuit. Les causes ne sont pas, toujours pas connues ce matin, mais deux personnes auraient été interpellées dans la foulée. À noter que des caillassages ont également été recensés dans les quartiers de Caméré, Magenta et Rivière-Salée. Et ce référendum du 4 novembre, il a suscité aussi de nombreuses réactions politiques au niveau national. Plusieurs responsables ont salué la victoire du non à l'indépendance. D'autres se sont dit rassurés, Steven Hippat, par rapport à la mobilisation historique. Oui, une revue des réactions non exhaustive ce matin. Ces réactions sont tombées dans les heures, voire les minutes qui ont suivi la fin du dépouillement hier soir. La République En Marche souligne dans un communiqué le caractère historique de ce premier référendum qui ouvre une nouvelle page dans l'histoire commune de la Nouvelle-Calédonie et de la France et qui oblige l'ensemble des acteurs politiques à poursuivre sur la voie du dialogue et du respect de la société calédonienne. Les Calédoniens ont lié leur destin à la France, indique pour sa part Laurent Wauquiez. Le président des Républicains a dit qu'il sera vigilant pour que cette volonté exprimée soit respectée à l'avenir. Le Parti Socialiste rappelle pour sa part que ce référendum est l'étape d'un processus qui doit se poursuivre et demande à l'État de maintenir et d'amplifier ses efforts pour réduire les inégalités dans le pays. Pour Marine Le Pen, ce formidable attachement des Calédoniens à la France doit se traduire très vite par un texte qui ancrera durablement la Calédonie dans la France et dans la République. La présidente du Rassemblement National demande au chef de l'État d'entamer sans délai les démarches auprès de l'Organisation des Nations Unies pour que la Nouvelle-Calédonie soit retirée de la liste des territoires à décoloniser. La France insoumise voit dans le résultat du scrutin une profonde déception pour toute personne qui croit à la nécessité d'une pleine souveraineté des populations dans l'archipel. Il montre la profondeur du clivage qui partage les Calédoniens, mais l'un et l'autre camp font un devoir de prudence et d'accompagnement respectueux de la décision prise dans les urnes. Je vous propose d'écouter la réaction d'Éric Coquerel, député de la France Insoumise. Il y a un double sentiment. D'une part, le fait d'admettre le résultat des urnes et d'être satisfait que le processus ait pu aller dans la paix et qu'il ait pu avoir une souveraineté qui s'exprime. Mais en même temps, pour partager les revendications des populations originaires de Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire sur l'indépendance, je pense à leur déception profonde et je pense plus particulièrement à elles. En même temps, je voudrais rappeler que tout ça est très fragile. On sait que la population est très clivée et qu'il convient pour la suite de respecter dans le détail les accords de Matignon et Nouméa. Je vous rappelle qu'ils prévoient notamment la possibilité de deux autres référendums. Donc je crois que c'est important de continuer ce processus et de ne pas fermer, de ne pas paraître fermer l'espoir qui a eu lieu il y a 30 ans avec le processus, double processus de Matignon-Nouméa. Voilà des propos recueillis par Serge Massot d'Outre-mer La Première. Et puis enfin, le président du Sénat, Gérard Larcher, invite dans un communiqué les Calédoniens à se retrouver autour d'une solution consensuelle durable au sein de la République. Il indique par ailleurs que son institution reste disponible pour toute contribution au processus post-référendaire. Steven Nippat, et puisqu'on parle des réactions en métropole, notez que à 7h30, nous entendrons les Calédoniens en métropole. Les étudiants calédoniens réagiront sur notre antenne, donc à 7h30. Il est 6h42, merci d'écouter La Première, la fin de ce journal. On vous retrouve tout à l'heure à 7h, Charlotte, pour un nouveau point sur l'actualité, et puis à 7h30 pour un nouveau journal. Oui, une nouvelle tranche, plus en télévision, qui elle se termine à 7h, mais avec toujours nos deux invités politiques que nous retrouverons dans un instant, Jean-Raymond Postic et Philippe Michel. Mais oui, c'est vrai que vous pouvez nous regarder à la télévision, nous suivre sur l'internet, le web, et puis nous écouter à la radio ce matin. 6h42, donc on continue cette matinée spéciale référendum, ce 6 suite avec Angélique Souche et ses invités. Jean-Raymond Postic pour l'Union Calédonienne, bonjour. Bonjour. Bonjour, Philippe Michel de Calédonie Ensemble est toujours avec nous. Messieurs, ce résultat, on va le redonner à nouveau, 56,4% pour le non, 43,7% pour le oui. Finalement, en quoi il vous engage ce matin, le fameux jour d'après, nous y sommes ce lundi 5 novembre, Philippe Michel? Il nous engage parce que l'immense majorité des Calédoniens qui ont voté pour le oui, nous le savons, sont d'origine kanak. Et la très très grande majorité de ceux qui ont voté pour le non ne sont pas d'origine kanak. Et donc ça, c'est un fait politique dont nous sommes tenus, que nous sommes tenus de prendre en compte et qui nous oblige à poursuivre le dialogue entre les uns et les autres. D'une part pour
continuer à préserver la paix, le développement et le progrès social. C'est ce que le président de la République a rappelé hier dans son intervention. Et d'autre part, pour rechercher ensemble une solution de compromis acceptable pour l'une et l'autre des parties. En tout cas, je crois que c'est ce que les Calédoniens attendent de nous. Jean-Raymond Postic, Philippe Michel dit une solution de compromis. Est-ce que la solution consensuelle peut à nouveau être pour vous remise sur la table ? Mais je crois que la solution de compromis, c'est déjà l'accord de Nouméa. Tout simplement, l'accord de Nouméa qui a d'ailleurs été à l'époque accepté, validé par l'ensemble des Calédoniens. Donc cet accord, qu'est-ce qu'il prévoit ? Il prévoit un deuxième et un troisième référendum. Il faut respecter. Alors justement, on avait juste avant Pierre-Christophe Ponte qui disait de toute façon 18 000 voix, hein, c'est l'écart que nous avons sur ce référendum. 18 000 voix, deuxième, troisième, en 2, 3, 4 ans, de toute façon ça n'est statistiquement pas rattrapable. En gros, ces deuxième et troisième ne servent à rien. Qu'est-ce que vous répondez ? C'est sa vision. Vous savez, on va faire une analyse la plus précise possible des résultats. Et on voit très bien plusieurs choses. C'est que l'électorat de nos amis des îles ne s'est pas complètement mobilisé. Et, on voit bien que la question des procurations a été un vrai souci. Il aurait certainement fallu plus de temps aussi pour que les personnes qui étaient en mesure de s'inscrire dans les bureaux délocalisés puissent s'inscrire. Donc voilà, il y a un certain nombre d'ajustements techniques certainement sur lesquels nous allons revenir. Ensuite, je crois qu'il n'a échappé à personne que dans beaucoup de communes, les résultats en faveur du oui ont dépassé de façon très notable l'électorat dit traditionnel des indépendantistes lors des élections provinciales. Ça se voit au Mont-d'Or, ça se voit à Dabéa, ça se voit à Bourail, ça se voit à La Foix, etc. etc. Donc, voilà l'analyse. C'est-à-dire que vous estimez avoir convaincu au-delà de Absolument. Votre électorat classique ? Absolument. Je crois que ça, c'est vraiment une satisfaction. C'est que malgré, je dirais, l'importance des enjeux, on voit bien qu'un certain nombre de Calédoniens qui ne votaient pas habituellement du côté indépendantiste se sont laissés convaincre, ont perçu le message lancé pour la création d'une nation multiculturelle, donc de réaliser enfin ensemble, je dirais, la communauté de destin. Et donc, oui, bien sûr, ça veut dire que nous avons encore des marges de manœuvre qu'il faut faire jouer. Il nous reste 6% à convaincre. Philippe Michel, est-ce que vous partagez cette analyse ? J'allais dire, les non-indépendantistes ont perdu du terrain sur ce référendum ? Non, je ne crois pas qu'on peut dire ça. Et je partage pas tout à fait, mais bon, c'est pas une surprise, l'analyse qui vient d'être déroulée par Jean-Raymond Postic. Nous avons un taux de participation à près de 81%. C'est historique, exceptionnel. C'est-à-dire qu'en termes de participation, on peut pas aller beaucoup plus loin que ça, parce qu'on ne voit jamais des taux de participation supérieurs à 80-85% maximum. Et d'autre part, l'écart de voix entre le oui et le non, et de 18 000 voix. Donc effectivement, de mon point de vue, la situation n'évoluera pas. En réalité, on retrouve à ce référendum l'écart entre indépendantistes et non-indépendantistes qu'on enregistrait déjà il y a 20 ans lors des premières élections provinciales. Et je ne vois pas comment, en l'espace de 2 ans, les Calédoniens pourraient, de manière assez radicale, 18 000 voix, changer d'avis. Mais cela dit, moi, je respecte, d'une part, les dispositions de l'accord Nouméa qui prévoit effectivement qu'un deuxième et un troisième référendum peut être demandé, et d'autre part, l'engagement des indépendantistes en faveur de leur projet. Je dis juste, un deuxième et un troisième référendum, c'est inévitablement source de tensions, d'attentisme économique, d'inquiétude. C'est du temps perdu. Et à la fin, si, comme je le crois, 3 fois les Calédoniens se prononcent pour le non, il faudra bien trouver une solution définitive pour le pays. Donc je propose qu'en toute hypothèse, on se mette autour d'une table. Et de toute façon, ça n'a jamais tué personne
de discuter, de se mettre autour d'une table. Alors justement, c'est déjà le message du président de la République. C'est évidemment ce que va vous demander aujourd'hui Édouard Philippe, le Premier ministre. Vous nous direz dans la journée avec quel mot, quelle contrainte et finalement peut-être quelle vision. Vous, que pensez-vous qu'il faille maintenant discuter très clairement? Que faut-il mettre sur la table puisqu'on annonce un très prochain comité des signataires, Jean-Raymond Postic? Rebondir simplement sur ce que disait monsieur Michel, bien entendu. D'ailleurs, je crois que nous n'avons jamais quitté depuis 20 ans la table du dialogue et de la discussion. Alors, il y a un certain nombre de choses, c'est effectivement, dont il faut parler. L'effet psychologique, on va dire ça comme ça, d'un référendum d'autodétermination, ça existe effectivement sur le monde économique, etc. Qu'est-ce qui n'a pas été fait justement à l'occasion de ce premier référendum? C'est qu'on n'a prévu aucun dispositif pour accompagner le pays justement à ce niveau-là. Donc voilà des marges d'amélioration. C'est-à-dire que il faut rassurer le monde économique, il faut s'adresser aux banques en leur disant ne faites pas n'importe quoi, rentrez dans le jeu et accompagnez aussi les acteurs, etc., etc. C'est-à-dire que pour améliorer, disons, l'atmosphère, pour accompagner le pays dans le cadre de ces consultations qui restent effectivement à venir, eh bien, il y a des choses à faire. On voit bien là aussi dans l'exercice du scrutin que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des marges d'amélioration. Bien sûr, il y a matière à discussion. On va revenir sur ce futur proche. Je vous propose tout de suite de retrouver Alain Krisnart qui est avec nous en direct depuis Paris. Alain Krisnart, bonjour. Bonjour. Bonsoir pour vous. Merci d'être avec nous en cette heure tardive. Alors, Alain Krisnart, on ne vous présente plus, mais malgré tout, je vais le redire, en ce 5 novembre 2018, vous êtes l'un des artisans de cet accord de Nouméa. Vous qui avez contribué à son élaboration, vous qui l'avez fait vivre ces 20 dernières années, votre commentaire personnel ce matin à l'issue de ce scrutin, de ce résultat. Bah écoutez, moi je suis heureux qu'il y ait eu un taux de participation élevé. Ça montre que la démocratie fonctionne. Je suis heureux que ce scrutin ne soit pas contesté. Hein, on vient de loin. Il y avait un problème sur le corps électoral, il y avait un problème sur la liste électorale. Bah, finalement, ce scrutin s'est passé sans incident. Donc, il y a un résultat. En démocratie, il suffit d'une voix pour qu'on ait la majorité. Après, en Océanie, on recherche des consensus. Donc, les deux choses sont vraies à la fois. Il y a une majorité pour le maintien dans la République et il y a la nécessité d'une discussion pour rechercher un consensus avec ceux qui ont réuni 43% sur l'idée d'une indépendance. Vous l'avez dit tout au long et notamment dans les derniers jours de cette campagne, vous vous êtes exprimé en disant que finalement ce qui comptait, le travail commençait après, au lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, pour 2019 et notamment dans la perspective des provinciales. Quels sont pour vous les principaux dangers pour ce processus de paix aujourd'hui? Ben, je crois que il faut de toute façon discuter des deux projets parce que c'était pas facile, mais enfin c'est perfectible quand même, hein, la présentation du projet d'indépendance et la présentation de ce qu'on fera dans la République. Après, il y a des élections territoriales, il va y avoir un combat politique. Au fond, le référendum a montré le rapport de force entre indépendantistes et non-indépendantistes. Les élections territoriales vont montrer le rapport de force dans chaque camp, le rapport électoral dans chacun des deux camps. Et là, évidemment, il y a des risques de surenchère. Mais enfin, je trouve que la campagne électorale et le scrutin ont montré la maturité des Calédoniens et des dirigeants politiques et des électeurs. Et donc, je suis pas inquiet. Mais l'année 2019 est l'année de toutes les chances ou de tous les dangers. C'est-à-dire que après les élections territoriales et même avant, il va falloir bien réfléchir à ce qu'on fait. Hein. Est-ce que les partis indépendantistes vont vers un deuxième référendum? Avec quel projet? Est-ce qu'on recherche un consensus qui conduirait à poser à un autre référendum une seule question pour ou contre un mode d'organisation en ayant changé auparavant la Constitution et l'accord de Nouméa? Ça, ce sont des grands débats qu'il va falloir organiser.
Et je pense que le Premier ministre, je n'ai pas évidemment à parler en son nom, mais va poser ses questions et essayer de réunir autour d'une table à Paris, sans doute dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, les partenaires pour faire un peu un plan de discussion sur l'année à venir. Restez avec nous, Alain Krisner, Philippe Michel, Jean-Raymond Postic. Est-ce que, comme l'espère, on l'entend, Alain Krisner, vous avez les uns les autres cet esprit de responsabilité par rapport à ces provinces qui s'engage? Bah écoutez, Philippe Michel, pour qu'elle en ce qui ensemble. Nous concerne, clairement, oui, on s'est inscrit depuis l'origine et singulièrement à la suite de la proposition du Premier ministre de constituer ce groupe de dialogue. Hein, on s'est inscrit pleinement dans le dialogue, ce qui nous a permis donc de produire sous la co-signature des indépendantistes de l'UC et de l'UNI et de Calédonie Ensemble et de Gaël Liano, une charte des valeurs calédoniennes et un bilan partagé de l'accord, des accords. Ces éléments-là, ils ouvrent une perspective politique pour l'après-référendum. Ils doivent aujourd'hui être repris, justement, pour vous. On parle du comité des signataires, on parle des discussions d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui doivent être reprises d'ores et déjà. Ah, il me semble. Il me semble que quand on a un scrutin d'autodétermination avec une participation à 81% et un rapport de 43-57, il me semble que plus que jamais, le vivre ensemble, les valeurs communes, les politiques publiques à mettre en œuvre doivent être approfondies, partagées entre les uns et les autres, parce que c'est la clé du maintien de la paix. Jean-Raymond Postic, le FLNKS a fait campagne commune sur ce référendum. Est-ce que cette unité sera de mise également pour les provinciales? On pense essentiellement, j'allais dire, à la province Nord. Écoutez, là, je ne vais pas m'engager, évidemment, pour nos amis du Nord. Simplement, vous savez, je pense, comment fonctionnent les mouvements qui constituent le FLNKS. On arrive à la saison des congrès. C'est à ce moment-là que, je dirais, une fois que la poussière du référendum sera retombée, que, bon, les analyses se feront, que tout le monde, tirera un certain nombre d'enseignements et que les décisions se prendront. Mais c'est vrai, vous avez bien fait d'appuyer sur le fait que le FLNKS, bien sûr, il y avait les deux groupes au Congrès, puisque c'était la grille de lecture qui était imposée pour la campagne officielle. Voilà. Mais il n'empêche que sur le terrain, les militants se sont mélangés, que tout le monde a porté le même discours, etc. Et donc, moi, en tant que militant, je suis tenté de penser que, puisque ça a fonctionné, il faut que ça continue. Et très clairement, c'est le message que nous renvoient aussi les gens à la base, quoi. C'est unissez-vous et puis la réussite sera au bout de la démarche. Alain Krisner, vous avez, je le disais au cours de ces 20 ans, fait vivre cet accord. Vous avez notamment participé, conduit des missions pour éclairer, des missions pour également aider les uns les autres à discuter, à présenter leurs projets. Quelle pourrait être aujourd'hui la méthode, finalement, l'inventivité nouvelle de l'État pour franchir un nouveau cap dans ce dialogue entre les trois partenaires? Oui, vous faites allusion aux échanges que Jean-François Merle et moi animions, mais avec quatre autres anciens de la Nouvelle-Calédonie, qui ont abouti notamment à une analyse des convergences et des divergences entre indépendantistes et non-indépendantistes, et puis à une esquisse de charte des valeurs calédoniennes, comme l'avait proposé un parti politique non-indépendantiste. C'était un travail analytique, vous savez, pour l'accord de Nouméa, dès le départ, dans la discussion, on a renoncé à mettre des catégories, à dire on va faire quelque chose qui sera un régime d'autonomie ou qui sera un régime fédéral, etc. On a réfléchi pièce par pièce, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous craignez, quels sont vos espoirs. Donc ça peut être une méthode de discuter institutions, société, jeunesse, indépendamment de l'écriture après... C'est-à-dire de dépolitiser finalement un petit peu le débat. Dépolitiser, je ne sais pas, parce que ces sujets, l'éducation, la place des jeunes, c'est des sujets politiques, au meilleur sens du terme. Mais peut-être le désinstitutionnaliser, c'est-à-dire que, toutes les discussions, tous les reportages qui ont été faits par les uns et par les autres montrent que les électeurs,
Certes, ils sont pour l'indépendance ou contre l'indépendance, c'est là-dessus qu'ils ont voté, mais ils ont aussi des craintes, des espoirs, des revendications sur des sujets très concrets quand même. Hein. Le pouvoir d'éducation, l'échec scolaire, la violence, l'identité, la dignité, voilà. Donc on peut peut-être repartir de ces fondamentaux. Mais bon, cela étant, moi je suis plus aux responsabilités, le Premier ministre aura certainement beaucoup d'idées sur la façon d'organiser ce dialogue, mais de toute façon, l'État, il n'est, comme il l'a été en 88 et en 98, qu'un catalyseur. Hein. Après, ce sont les Calédoniens qui votent, et ce sont les Calédoniens qui dialoguent avec les propositions de leur parti politique, de la société civile, voilà, donc ce sont quelques pistes. Mais je pense que s'il y a une discussion possible, en dehors des institutions, il faut qu'elle parte des problèmes concrets de la vie des gens. Merci beaucoup Alain Krisnard d'avoir été parmi nous ce matin. Je vous pose la question parce qu'en effet, on l'a entendu tout au long de cette campagne, aujourd'hui les Calédoniens veulent qu'on s'intéresse à leur vie concrète, que l'avenir institutionnel soit traité, mais qu'ils ne prennent pas le pas sur tout. Est-ce que, depuis maintenant qu'on a voté, est-ce que c'est possible ? Très rapidement, Philippe Michel. En tout cas, c'est plus que souhaitable parce que, indépendamment de la question de l'avenir institutionnel du pays, les Calédoniens, ils attendent, et c'est légitime, qu'on soit capable de résorber la problématique des inégalités, la problématique de l'échec scolaire, la problématique de l'exclusion, la problématique de la violence, la problématique du mal-logement. C'est ça, concrètement, qu'ils attendent de nous. Et ces questions ne sont pas nécessairement liées à l'évolution statutaire du pays. Je pense même au contraire. Merci à tous les deux. Jean-Raymond Postic, très rapidement. Oui, je ne suis pas d'accord. Nous n'avons fait que parler du quotidien des Calédoniens lors de cette campagne, en démontrant justement que le système actuel montre toutes ses limites pour apporter de vraies solutions. Merci à tous les deux. Philippe Michel pour Calédonie Ensemble, Jean-Raymond Postic pour le FLNKS, pour ce bilan à chaud après ce vote du 4 novembre. Merci d'écouter La Première. Il est 7h et c'est l'heure d'un nouveau point sur l'actualité. Oui, bonjour à tous. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? À cette question, les Calédoniens ont répondu non à 56,4%, un écart relatif par rapport aux attentes induites par les annonces politiques et les sondages. 18 000 voix séparent le non du oui qui lui recueille 43,6%. Des chiffres à mettre en lumière de la très forte participation. Plus de 8 électeurs sur 10 se sont déplacés dans les bureaux de vote. Un record pour le Caillou, une situation que l'on retrouve particulièrement, Stéphane Lipat, en province Nord. Oui, Charlotte, 86%, c'est le taux de participation enregistré hier en fin de journée pour la province Nord. C'est 20 points de plus par rapport au taux de participation enregistré lors des dernières élections provinciales. C'était en 2014. Une forte mobilisation qui a été visible dans le camp indépendantiste et sa jeunesse. La plupart des communes ont voté à une majorité écrasante dans un sens ou dans l'autre, mais en province Nord, le camp du oui à l'indépendance l'emporte dans plusieurs communes et notamment dans les fiefs historiques. C'est le cas de Yengen, la terre d'origine de l'ancien dirigeant indépendantiste Jean-Marie Tjibaou, qui a voté à 94,75% pour le oui. C'est le cas aussi à Kanala, où le vote en faveur de l'indépendance a été sollicité à plus de 94% des suffrages exprimés. Wailou et Tio dépassent les 83%. La commune de Pointe-Bout, qui avait sollicité le camp indépendantiste au provincial de 2014, crée la surprise. L'option du maintien dans la France a recueilli le suffrage de 54% des électeurs inscrits à ce scrutin. Koumak, réaffirme de son côté son statut d'enclave loyaliste dans une province indépendantiste. Le nom a été crédité à 63,53% des suffrages exprimés. Et puis la commune de Poya à cheval sur les provinces Nord et Sud, et donc divisée en Poya Nord et Poya Sud, a donné un résultat assez étonnant. Poya Nord a voté à 74,16% pour le oui, alors que Poya Sud a plébiscité le non avec 97,95%. Steven Nipat, cette participation record dans les communes indépendantistes a été saluée par les responsables politiques dès hier soir. C'était le cas sur notre plateau de Rock Ouamitan pour l'Union Calédonienne. Ce que je note, c'est que je suivais tout à l'heure l'émission, c'est bien sûr la participation massive, hein, et surtout en ce qui concerne les bureaux de vote ou les communes indépendantistes. Et ça, je crois que pour nous, c'est quelque chose de satisfaisant, parce que qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu avant, hein,
les uns les autres disaient que les jeunes, notamment les jeunes Kanaks, contestent leurs aînés, ils ne vont pas les suivre, ils ne vont pas nous écouter. Et puis c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est le côté positif, si vous voulez, de ce scrutin, des résultats de ce soir. C'est déjà pour nous une victoire quand même, parce que c'était pas gagné d'avance. Il ne faut pas oublier que nous avons quadrillé toute la Grande Terre et les îles Loyauté. Nos équipes ont visité les 341 tribus au moins une fois, les quartiers, les villages, etc., pour justement, quelque part, réveiller les consciences. De son côté, Philippe Gomez, pour Calédonie Ensemble, a salué le calme qui a régné pour ce scrutin. Moi, ce que je retiens, c'est d'abord le mot fierté. Je crois qu'on peut collectivement être fier, indépendantistes et non-indépendantistes, calédoniens de toute sensibilité, de toutes origines, d'avoir réussi à franchir ce crash test du vivre ensemble qui était ce référendum, au moment où je parle, sans trop de difficultés, sans trop de désordre. Même si on sait que ce soir, dans la ville, quelques poubelles, quelques pneus et quelques voitures ont tendance à partir en fumée. Mais pour l'instant, cette séquence très difficile, puisque ça fait 40 ans que les indépendantistes la demandent, on est arrivé à ce moment-là de l'histoire et on a réussi à faire en sorte de l'assumer en toute sérénité. Ça, c'est une première chose, et je crois qu'on peut en être fier, on peut le dire. Mais dans notre pays, on sait, et le scrutin l'a illustré, la grande majorité des Calédoniens d'origine kanak ont voté pour l'indépendance, et l'immense majorité des Calédoniens d'origine non kanak ont voté contre l'indépendance. Donc, une fois que l'arithmétique électorale a donné son résultat, il va falloir continuer à construire ensemble, par le dialogue et le consensus, l'avenir de ce pays. C'est ça qui est en jeu dès demain. Et vous l'avez entendu à l'instant avec Philippe Gomez, la soirée a été émaillée d'incidents sur le Grand Nouméa. La RP1 a été fermée au niveau de Saint-Louis par précaution par les gendarmes après que des pneus aient été incendiés sur la chaussée dans la soirée. À Nouméa, en début de soirée, à Montravel, 6 voitures ont été incendiées sur le parking Toyota à côté de la société Lefroy. Au centre-ville, vers minuit, une ancienne animalerie près de la place des Cocotiers a été entièrement détruite par les flammes. La vingtaine de pompiers mobilisés a permis d'éviter la propagation au bâtiment voisin, dont un magasin de jouets et de feux d'artifice. L'incendie a été maîtrisé dans la nuit. Les causes ne sont toujours pas connues ce matin, mais 2 personnes auraient été interpellées dans la foulée. À noter que des caillassages ont également été recensés dans les quartiers de Caméré, Magenta et Rivière-Salée, toujours sur Nouméa. Les résultats, la participation, ils étaient également sur toutes les lèvres des Calédoniens dès hier soir, avec à chaque fois la volonté de poursuivre l'histoire ensemble, comme ont pu le constater nos reporters sur le terrain. C'est une belle surprise quand même, parce que on est des jeunes, puis ça se voit que ça nous tient à cœur quand même notre pays, l'avenir de notre pays. Du coup, c'est un peu pour ça aussi qu'il y a une forte mobilisation. C'est un peu décevant pour nous, et vu qu'on est des Kanaks, on aimerait bien que ça passe à l'indépendance. J'espère que ça sera pour une prochaine fois. J'étais étonnée que le oui l'emporte à Lifou. Moi, je croyais que c'était le non. Parce que là-bas, Lifou, les jeunes de Lifou là-bas, ils sont toujours avec la France, quoi. Nous vivons ensemble, partageons ensemble, mais il ne faut pas oublier que chacun travaille à sa sueur pour son enfant, pour sa famille. Des réactions recueillies par Jeannette Pétché ici à Nouméa et Clarisse Watwe à l'île des Pins. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 7h30 pour un nouveau journal. Merci beaucoup Charlotte. Il est 7h06. Dès 7h15, de nouveaux invités politiques. Angélique Souche qui reviendra avec nous jusqu'à 7h30, donc à l'heure à laquelle nous retrouverons Charlotte Mestre, bien sûr, pour un nouveau journal, une nouvelle édition consacrée donc à ce référendum d'autodétermination. Dans un petit instant, la météo, mais auparavant, la route avec Philippe et puis quelques messages publicitaires à suivre sur votre radio première.
salut à tous. Bienvenue à Ngonémaré, précisément à La Roche. La Roche, c'est plus de 1000 habitants. On y trouve son église, son aérodrome, son centre culturel Yewene Yewene. À l'occasion de la journée du patrimoine, nous partons à la rencontre de Déborah Nassil. Elle fait partie de l'association Tapéné pour la sauvegarde du patrimoine Ngoné. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle anime l'atelier culinaire. Je ne vous en dis pas plus, on y va. La qualité en plus. Bonjour Déborah. Bonjour les enfants. Bonjour. Déborah, qu'est-ce que tu fais exactement ici? Alors, je suis ici, c'est pour faire exposer et faire montrer aussi aux enfants et à tous ceux qui sont venus aujourd'hui pour la fête du patrimoine sur Marais. Et là, c'est là que nous on présente notre culture. Alors, si vous voulez goûter. Tisane orange. Moi aussi, je veux bien goûter la tisane orange. C'est de la tisane orangée. Allez, goûtez les filles. Faut goûter, goûtez. Pour... Alors, c'est comment? C'est bon. C'est trop. Alors, pourquoi vous êtes venues ici aujourd'hui, les filles? Tiens, pour savoir l'environnement. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que fait Déborah, là? C'est bien parce qu'elle nous montre les tisanes que les vieux avant, ils appellent parce que c'est pas besoin d'aller au magasin. C'est pour eux, plus tard, ils vont grandir et transmettre, voilà. C'est surtout ça, la transmission se poursuit, c'est ça qui est bien. Comment tu connais Déborah? Alors, je la connais très bien par rapport au travail qu'on fait ensemble. L'Académie des langues kanak est Tapéné, on travaille souvent ensemble pour les interventions, pour les ateliers, par rapport aux demandes des événements culturels sur Marie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait beaucoup de collectes, elle fait aussi, elle raconte des histoires, elle fait aussi des contes. Elle nous explique, par exemple, l'utilisation des plantes médicinales. Mmh. Elle nous apprend aussi des chansons, des cantines populaires aussi, souvent. Et qu'est-ce que tu penses de son travail, de ce qu'elle fait? Elle est très investie, elle est très dynamique, et elle est exceptionnelle. Ben, merci beaucoup, Doriane. Merci à vous. Déborah, ça fait combien de temps que tu fais partie de l'association Tapéné? En Myriam, c'est depuis, je veux dire, plus de 8 ans déjà dans l'association Tapéné. Alors, qu'est-ce qui t'a motivée à rentrer dans cette association? Il y avait mon beau-père, Panikéoul, qui était parti, qui est mort, qui était dans l'association. Alors, il y avait un vieux, que vous le connaissez tous, Pakaloy, il est venu me voir pour remplacer mon beau-père. Partie. C'est comme ça que je suis rentrée dans l'association. C'est quoi l'association Tapéné? Alors l'association Tapéné, c'est-à-dire Tapéné, Ta c'est Tataya, Pé c'est Péné, la façon, Ngoné. Tataya, Nore, Péné, Ngoné. C'est ça, Ngoné c'est nos traditions, nos cultures de Ngoné, bien sûr. Pourquoi c'est important de partager ce patrimoine? Il faut que nos enfants ils savent déjà ce que nos traditions, ce que nos vieux avant nous a transmis. C'est ça. Et pourquoi? Parce que on a des valeurs aussi dedans, nos valeurs culturelles, c'est-à-dire la coutume, les façons de faire à manger et les plantes médicinales. C'est ça ce que je voudrais partager aux enfants. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Pour moi, c'est de la joie. C'est ma joie de partager ce que moi je connais. De mes aïeux, de mes ancêtres, des vieux, des vieilles, qui est toujours encore là,
Et il y en a qui sont partis déjà. Et puis, je continue ce qu'eux, ils ont déjà fait avant. Ça me donne de la joie de partager, de transmettre. Merci, Déborah. Merci, Myriam. Bonne continuation et bon courage. Merci. Ça, c'est bon, Liliam, ça. Voilà, journée du patrimoine à La Roche. C'est ici. Dans nos quartiers, à La Roche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine sur ce iCAD. Assez bio. Pas besoin de faire la vaisselle. Ah oui, bonne chance.